régionale. Je pense qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas des spécialistes de la santé. Donc quand les spécialistes de la santé à l'échelle mondiale indiquent que le vaccin fait partie vraiment des armes que nous pouvons utiliser pour faire face à cette pandémie qui ne connaît pas de frontières, qui ne connaît pas de riches ni de pauvres, qui ne connaît pas de zones développées ni de zones sous-développées, qui ne connaît que la personne, l'être humain. Donc aujourd'hui, si ces spécialistes nous disent que le vaccin est un remède parmi tant d'autres remèdes et que pour éviter les confinements et autres mesures qui sont néfastes à l'économie et à notre survie, je pense qu'aujourd'hui, nous ne pouvons que saluer d'abord l'arrivée du vaccin. Saluer l'arrivée du vaccin, mais aussi saluer la décentralisation de ce vaccin jusqu'à ce que ce vaccin arrive au niveau de Xinjiang. Si le vaccin arrive au niveau de Xinjiang, au niveau de la commune, c'est de mon devoir, de mon ressort, de contribuer à rassurer les populations. Si le fait que je prenne cette dose va les rassurer, c'est ma contribution pour rassurer les populations. Mais pour leur montrer aussi que moi j'ai pris ma dose, je fais confiance au personnel médical et je les invite à faire de même, à s'inscrire sur la plateforme dédiée et à montrer toute leur disponibilité pour prendre le vaccin. Même s'ils sont jeunes, le fait qu'être porteur est synonyme d'être en mesure de transmettre le virus à d'autres personnes de sa famille ou de son entourage ou même de l'extérieur, je pense que c'est une idée noble de vraiment oublier toute cette campagne médiatique de diabolisation du vaccin et de faire confiance à ceux à qui nous avons confié notre santé. Nous avons confié notre santé à un personnel médical. Ce personnel médical, quand nous tombons malades, nous allons vers ce personnel médical-là pour nous faire consulter, pour nous faire ausculter, pour prendre des piqûres, mais aussi en même temps prendre des médicaments qu'il nous recommande. Donc aujourd'hui, ce vaccin, moi je le prends dans ce sens-là.